La procureure de la République demande 12 ans de réclusion. Les débats de la matinée se terminent sur un goût amer pour chacune des parties. Je pense que sincèrement, mes clients se seraient attendus à une peine beaucoup plus sévère de la part du parquet hein, dans ses réquisitions. Compte tenu des éléments, je pense qu'ils s'attendaient vraiment à beaucoup plus. La famille de la victime a fait le déplacement du Qatar, du Canada et d'Arabie Saoudite. La peine est pour elle insuffisante. Elle réclame 20 ans. C'est l'accusé qui a toujours cherché la bagarre. C'est lui qui a commencé les coups. Est allé le chercher lors de la troisième rixe et donc il a utilisé tous les moyens pour donner la mort à notre frère. Selon la défense, l'accusé reconnaît les faits de violence. Néanmoins, l'issue mortelle n'aurait jamais été dans ses intentions. Il y avait des témoins amis de la victime, des témoins amis de l'auteur. Aucun n'est intervenu. Je constate d'ailleurs que le ministère public n'a envisagé de poursuivre personne pour non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que personne n'a considéré que ce garçon était en danger. Ce garçon est reparti sur ses pieds à l'issue de trois scènes de bagarre où il y a eu des échanges de coups. Et aujourd'hui, on réclame une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour un garçon qui avait 20 ans. C'est une peine qui m'apparaît excessivement sévère. On attend le verdict des jurés dans la soirée. Quel que soit le résultat, la défense a annoncé que son client ne ferait pas appel de la sanction prononcée par la cour d'assises de la Charente.